Bonjour, nouveau livre, bien costaud celui-là par contre, c'est Les Annales Akashiques, portail de mémoire des mémoires d'éternité de Daniel Meroy-Givaudan. Donc on n'explique plus, on présente plus les auteurs, hein, on les connaît. Et là vraiment, on va au centre, on va à l'origine du truc. Donc l'auteur, je le rappelle, fait des voyages astraux et à travers ces voyages, il nous ramène des pépites, il nous ramène ce qu'il vit et les compréhensions qu'il en a et ce qu'on lui dit de raconter, quoi, voilà, de ce qu'il voit, etc. C'est très particulier. Alors, je vais vous lire ce qu'ils disent derrière parce que très sincèrement, j'ai tourné, j'ai viré, j'arrivais pas à donner des mots sur tout ce que j'avais découvert, tout ce que j'avais vu parce que il y a des chapitres, je me suis repris à deux fois pour les lire, pour bien comprendre, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit là? Voilà. Émaillé d'anecdotes, de faits vécus et d'observations uniques, le voyage intérieur que constituent les annales akashiques nous entraîne peu à peu, très loin vers notre atome premier, aux confins de l'univers de l'esprit, là où le divin épouse la matière, là où tout se conçoit, se forme puis se mémorise. Véritable clé pour approcher le portail des mémoires d'éternité, il répond aux questions les plus inattendues de ceux qui cherchent à s'éveiller. À travers une compréhension profonde et audacieuse de l'espace-temps, chacun saura alors que c'est le cœur et l'esprit humain dans leur multidimensionnalité qui sont aujourd'hui plus que jamais sollicités pour un épanouissement plus complet. C'est, voilà. Alors, par contre, il y a des passages qui se lisent, moi j'ai adoré. Y a vraiment, on va dans les annales akashiques, on a des compréhensions. Vraiment, tout est intéressant, on voit que tout est interrelié. Il y a beaucoup la notion de l'espace-temps qui joue, parce qu'on n'a pas du tout l'espace-temps tel qu'il est conçu là est complètement différent de ce que nous on vit tous les jours. Faut savoir que c'est ça a rien à voir. Donc c'est pour ça nous remet un petit peu, ça brasse un petit peu dans le sens où il y a plein de choses qu'on croit ou qu'on vit en fait, qui sont pas, même si on se dit éveillé, on se dit sur le chemin, on va découvrir énormément de choses avec ce bouquin magnifique de Daniel. Les annales akashiques, c'est quand même la base de tout, la source, à mon sens, hein, ça n'engage que moi, hein, quand je dis des choses dans les vidéos, ça n'engage que moi, mais voilà, c'est vraiment ça, je pense, et c'est un livre, ben, c'est une pure merveille, franchement. Pas très long, ben heureusement, parce que autrement on n'en pourrait plus, mais vraiment il est superbe. Il y a cette notion d'espace-temps qui est très particulière. Vous trouvez aussi la notion du bien et du mal, carrément rien à voir avec ce qu'on nous a inculqué jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Je vais vous dire, évidemment, c'est le film de notre vie, Les neurones divins. J'ai adoré ce passage-là. Les neurones divins, redéfinir le rationnel. Voilà, c'est tous des sujets la Maya, accepter les règles du jeu. On passe par plein de sujets qui sont fantastiques et ça va forcément vous ouvrir sur autre chose. Et ben, je vous dis belle découverte parce que moi j'ai adoré. Je vous dis à tout bientôt!